c'est lundi matin. Bon, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Et c'est quand même plus sympa, ce fond avec un papier peint bien fait, que comme ça. Hein. Vivement que tout soit bien fait. C'est quand même la classe. Voilà. Bon, moi j'ai un magnifique pull que mes parents m'ont offert. Enfin, je vous le mets dans le bon sens, il est marqué Poudlard ne recrutez plus. Du coup, je vis en Auvergne avec les Moldus. Je l'aime trop. Il est juste coupé chelou, mais je l'aime trop. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, oh, monte ton macoune. Je suis en train de me dire, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de macoune. Ah, bon. Le que c'est là. Tu veux celui-là? Oui. On monte le circuit? Oui, le que c'est le partout. D'accord. Oh. D'accord. Bon, ben, gros fail, je viens de voir ça. C'est quoi? Pile non incluse. Voilà, non fournie. Pile type C. Donc, c'est pas les piles classiques. Donc, bah, j'en ai pas. Ouais, donc, il va falloir que j'aille acheter ça. J'en connais un qui est un peu dégoûté quand même. Moi aussi d'ailleurs. Ça me saoule à chaque fois les trucs où c'est pas fourni quoi. On paye ça suffisamment cher, ils pourraient nous mettre les piles quoi. On va à la sieste. En dansant. Comment on danse? Danse. Attention ta tête, chérie. Allez, elle est où ta couche pour la sieste? C'est le gars qui danse. Ah, vas-y, danse encore un peu alors. Oh, super le sac à dos. Tu vas le casser? Tu l'auras plus pour l'école après. Bon, ça y est, on est du fioul. Oui, c'est bon. Donc, on a de l'eau chaude. Donc là, c'est trop bien ce soir. Je vais laver ça. Ça va leur faire du bien. Là, je vais bientôt aller me changer et me préparer. Parce qu'en fait, la salle de sport de mes parents est en mode porte ouverte. Et ma maman m'a dit, bah tu viens ce soir avec nous. T'as pas le choix, tu viens. Donc bah ce soir, c'est sport pour moi. Je vais aller... je sais pas ce que je vais faire. Peut-être un peu de cardio. Je peux y aller comme une dingue. Parce que de toute façon, ça fait un mois que j'ai rien fait. Donc je vais y aller mollo. En plus j'ai pas une motivation de dingue. Donc voilà, on va y aller tranquillou. Mais tranquillou bilou. Et après en rentrant, bah voilà. Donc c'est Chérie qui gère les enfants ce soir. Donc là moi je vais aller me changer. Et je vais aller chercher Katel à l'école. Voilà. Et après je vais à la salle. Bon coucou tout le monde. On est mardi, je vous ai pas pris de la matinée. Là il est 14h, je viens de coucher Christ à la sieste. Kat est à la maison aujourd'hui parce qu'il y a grève à l'école. Donc ça a été une organisation un peu différente de mes autres mardis. Parce que d'habitude, le mardi, j'amène Christian chez ma maman et je me posais toute la journée. Là, c'est pas possible. Donc là, ce matin, ils ont été quand même super cool. Ils ont joué tous les deux. Donc ça, c'est cool. J'ai pu bosser, faire les formations que j'avais prévues. Parce que moi, je me suis calée mes formations avec mon équipe les jours où j'ai pas les enfants. Donc voilà. Et quoi d'autre? Il faut que je vous montre des trucs que j'ai reçus que j'adore. Je vais vous les montrer. Là, je vais me poser tranquillement. C'est l'heure de la sieste. Voilà. Kat joue dans sa chambre. Et ce soir, on va laisser les enfants. Oh non, mais il faut que j'aille chez le coiffeur. On va laisser les enfants à mes parents. Et on va aller se faire un ciné-resto. Avec 2 jours d'avance pour nos 8 ans avec mon chéri. Parce qu'en fait, on a en fait nos 8 ans jeudi. Mais comme il y a école le lendemain, on ne peut pas laisser mes loulous à mes parents jeudi soir. Donc on a fait ça ce soir. Voilà, comme ça demain on n'a pas besoin de les récupérer. On les récupère demain matin en fait et pas ce soir. Voilà, donc on va faire aussi une grasse mat demain. Oh, trop bien. Donc voilà, allez, je vais vous montrer ce que j'ai reçu et ce que j'aime beaucoup. Alors j'ai reçu de la part de Kazap, j'en avais déjà un. C'est une protection pour PC, donc ils m'ont proposé de me renvoyer des produits. Donc j'ai accepté et j'ai choisi celui-ci cette fois. Donc il correspond très bien à ma vie en ce moment. J'ai pris une coque qui va avec. Voilà. Et j'ai pris celle-ci également, la Kuna Matata. Et là ce que je pense, je vais me recommander, vous savez maintenant sur mon téléphone. Oh, j'ai des trucs comme ça là. On voit pas. Voilà, j'ai des trucs comme ça. Donc je vais en retrouver là sur AliExpress et je vais m'en reprendre pour les mettre avec. Parce que ça fait une petite semaine que j'ai ça et auquel je me suis fortement habituée. Et ce que j'aime bien chez Kazap, c'est que vous avez ça aussi.
c'est pour les ranger les coques. Voilà, c'est sympa. Et pour info, j'ai un petit code promo, c'est carnet d'Emma 20. Vous avez 20% sur tout le site. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Voilà. Mais vraiment, j'adore. Et l'autre, j'en avais déjà un. Il a tenu nickel. La qualité impeccable. Et franchement, je suis... J'aime vraiment beaucoup. Mon chéri a fait du pain perdu avec des restes du gâteau de l'anniversaire de Christian. Les chapeaux qu'on avait coupés pour les faire plats. Voilà. Mmh. C'est très régime tout ça. Allez en voiture les terreurs. On vous lâche, on vous abandonne, on vous envoie chez papy Nani. Oui, en voiture. Se casse. On est donc au resto. Et il y a tout simplement personne. On aurait dû réserver. Il y en a encore. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est jeudi. Je n'ai pas du tout filmé hier mercredi. Parce qu'en fait l'appareil photo était dans mon sac à main. Et j'ai complètement oublié de le sortir. Voilà, et donc je me suis rappelée en fin de journée. Ça ne servait plus grand chose. Donc voilà. Aujourd'hui 21, c'est nos 8 ans avec mon chéri. Ça a déjà fêté jeudi, mardi. Moi c'est une grosse journée de boulot. Il y a des jours comme ça où tu sais que la journée va être mal, de malade au niveau boulot. Et je sais, faut que j'ai la flemme. Une flemme de malade. Mais bon, boulot quand même. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la trisomie. La journée mondiale de la trisomie 21. Donc aujourd'hui, c'est chaussettes dépareillées pour dire oui à la différence. Et que. Et voilà. Donc les enfants ont les chaussettes dépareillées. Qu'a-t-elle ? Alors je les ai mises, mais elle ne veut pas aller à l'école avec. Voilà, donc bah, je vais accepter son choix. On va faire notre petite photo et après on remettra une chaussette normale. Voilà, elle se sent... je pense qu'elle ne se sentait pas capable d'expliquer pourquoi. J'ai essayé de lui expliquer, mais je crois qu'elle était pas... elle se sentait pas capable de l'expliquer. Chris est très content, lui, d'avoir deux chaussettes pas pareilles, par contre. Coucou, on est vendredi. Je crois que ça aura été le weekly vlog le moins sérieux du monde. Je suis vraiment désolée. J'ai pas pris le temps cette semaine et je vais me rattraper sur la fin de ces vlogs. Il est déjà 16h. Je fasse gaffe pour aller chercher Katel tout à l'heure. Oh putain, oui, c'est vrai. Pardon pour le gros mot. On a un nouveau compagnon à la maison, je vais vous le montrer. On a reçu aujourd'hui lui. Alors, c'est un robot aspirateur de la marque EcoWax Robot. Et donc, c'est le D-Bot. Et l'avantage de ce robot, bah voilà, il aspire tout seul. Hein. Nous, on l'a surnommé Wally, c'est notre nouveau copain. On va partager en vlog un peu sur les weekly, comment ça fonctionne chez nous. Pour le moment, j'en suis très contente. Alors, c'est le bazar, parce que là, on fait juste essayer. Christian est en mode je joue avec, sauf que on a peur qu'il tombe dessus. Donc, on apprend, on va découvrir monsieur Wally. Et pour le moment, voilà, il découvre la maison et il est plutôt pas mal efficace quand même. Hein. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on le fera sûrement tourner la nuit. Comme ça, on pourra monter les chaises, on pourra lui enlever le maximum de choses sur le passage. Et comme ça, on démarrera la journée avec la maison toute propre. Et après, je pense que je pourrais le relancer en journée pendant un cesse de crise, par exemple. Enfin, je pense qu'il va me faciliter la vie, ce truc-là. Et Chris est à fond avec. Hein. Vas-y, fais-le. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est déjà 10h. On a eu la première session sport des loulous. Voilà. Mais il veut... Ah non, il veut pas le remettre. Katel, elle était à la danse ce matin et son papa, il a pu rester pour la voir parce qu'en fait, elles sont plus de 12 au niveau du groupe. Et donc, la prof ne peut pas rester toute seule, au-dessus de 12 enfants, faut deux adultes dans la pièce. Donc, chaque semaine, il y a un parent qui se relaie. Et là, ce matin, c'était notre tour. Et moi, comme j'étais avec Chris, là, c'est papa qui est resté. C'était cool ? Maman. Oui. Oui.
Faudra que je vous montre dans la journée notre nouveau compagnon, Wally. C'est notre robot aspirateur, on l'a appelé Wally. Wally ? Comment je le kiffe déjà. Il a tourné hier soir, il a tourné cette nuit. On l'a fait tourner. Alors, par contre, on l'a tourné et on l'a lancé à 1h du mat. Et moi qui ne m'endors pas avant 1h du mat, je l'entendais. Donc j'ai eu du mal à m'endormir. Donc on va le mettre plus tard, on va le mettre à 3h du mat, comme ça il fera un petit tour d'une heure dans le salon et voilà, et la cuisine, et on va le lancer après sur les après-midi, je pense après le repas du midi, pour refaire un petit tour, voilà. Et moi là j'ai recommandé une batterie pour notre Dyson, on a un Dyson sans fil, on a le V6, et la batterie était morte, donc là j'ai recommandé la batterie parce que je me dis que lui et le Wally et le Dyson, on est nickel quoi, parce que j'ai qu'à sortir le Dyson et pas ressortir le gros pour faire un petit coup où il a pas pu passer et voilà. Bon, ça fait 2 minutes que je parle d'aspirateur, on va couper là hein, et je vous retrouve tout à l'heure. C'est l'heure d'un petit café avec un gâteau parce que l'autre il m'a été piqué par ce truc là. Donc je vais prendre mon café, après on va habiller Kat et on va amener Kat à la danse, à la gym. Maman. Bon bah finalement Kat elle n'a pas voulu aller à la gym et je ne suis pas du genre à forcer, je lui explique juste les obligations qu'elle peut avoir des fois, je lui explique aussi que là comme le week-end prochain on est de mariage, bah elle ira pas non plus, donc ça veut dire qu'elle aura 3 semaines encore sans gym, deux semaines, donc ça fera 3 semaines au total, donc elle a compris, elle le sait, hein, voilà, donc voilà. Mais bon après il va falloir y aller à la gym hein, parce que préparer les challenges, bah oui, il y a le gala aussi de fin d'année à préparer. Ah oui, bah oui, bah le jour là où il y aura le gala à préparer, le préparerai et j'irai direct. Ouais, bah tu iras dans 15 jours, tu vas y aller direct. Donc, bah en attendant, on fait des activités et Kat va créer sa robe via le site Imagine ton look et en fait, elle va pouvoir dessiner et sa robe sera imprimée sur du tissu quoi. Alors, on vous montre son résultat juste après. Wow. Non mais l'autre il a été chercher des Pringles dans le frigo, dans les trucs. C'est pas l'heure des Pringles Christian. Oh si, celui-là. Bon logiquement cette fois c'est la bonne. Oh, ça y est cette fois il est monté. Ouais ma queen il fait que des. Ma queen il a que des accidents. Ouais, il a que des accidents. Oh non! Bah, mets-le bien, chérie. Aujourd'hui, Christian, il a dessiné son premier bonhomme. Voilà. Donc, bah, forcément, je l'ai écrit et je pense que je vais le plastifier et on va le conserver. Parce que bon, c'est pas tout, hein. C'est le premier bonhomme, quoi, quand même. Hein. Et là, je vais aller en faire du hachis parmentier vu qu'il est encore pénible pour le coucher. Coucou tout le monde, on est dimanche, dernier jour de la semaine, dernier jour de ce weekly vlog qui aurait été particulier parce que j'ai vraiment pas filmé beaucoup quand même, du moins pas du tout logique, pas du tout irrégulièrement. Ce matin on a fait une activité avec les enfants, je vous mettrai des photos là parce que en fait j'ai complètement oublié de prendre l'appareil photo pour vous filmer. En fait j'ai reçu la box Tiny Lou et une version kids et dedans il y avait... un kit de jardinage un peu et donc les enfants ont planté des choses, je vais vous montrer dans la chambre de Kate. Il y avait également un bouquin, un abonnement, une pomme d'api, un petit canard avec apparemment du beurre moussant dedans et une pochette pour les goûter. Voilà, je vous montrerai ça. Et là ils étaient en train de jouer dehors, moi je suis en train de faire à manger. Ils viennent de rentrer, se mettre devant la télé, un petit peu. Et voilà, je vous montre, je suis en train de faire une truffade. Donc j'ai encore prévu pour 40 personnes, bah c'est va me gronder. Donc un peu d'ail, des pommes de terre coupées en rondelles. On fait revenir les pommes de terre, on fait cuire les pommes de terre. Et après on mettra de la tomme fraîche. J'ai hâte, j'ai faim. Trop bien. Ça va être bon. Il va manquer un peu de fromage. Bon, papa est en vadrouille depuis plus de 2 heures, presque 3 heures avec Katel et nous on s'occupe avec bébé le réveil de la sieste. Là il a sorti son cahier, mais il est fait, il l'a fini, mais alors il s'amuse à le recoller, à recolorier. Tu t'amuses? Oui, elle fait. Et petit retour concernant notre nouvel robot aspirateur Wally, donc c'est un D-Bot,
Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Pour information, il est sur Amazon et il est à moins de 200 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Et moi, je pense qu'au final, j'aurais fini par craquer si je ne l'avais pas reçu. En prenant le paiement en 4 fois, j'aurais craqué parce que il nous facilite la vie. Moi, l'aspirateur, c'est vraiment pour moi une vraie... Alors, je ne trouve plus le terme. Une contrainte, une... Ça me saoule, quoi. Vraiment, ça me gave de faire l'aspi. Donc là, le fait de l'avoir, on lance la nuit, on relance un coup l'après-midi. J'ai jamais eu mon sol aussi souvent propre, sachant qu'on a un chat, un chien qui perdent leur poil. C'est un vrai plaisir. Voilà, donc il va tourner la nuit, il va tourner une fois sur la journée. Et on a, j'ai repris une batterie, je crois que j'en ai parlé hier, pour le Dyson, pour les petits coins, pour les petits coups d'aspi rapides et tout. Franchement, si vous hésitez. Celui-ci, vous avez un espace comme nous, c'est grand quand même. Il coûte 200 €. Et franchement, franchement, ça vaut vraiment le coup. Il fonctionne très bien, il marche très bien, on verra sur le long terme. Mais là, ça fait 3 jours qu'on l'a et mon chéri en est plus fan que moi, quoi. Donc c'est pour vous dire, c'est un vrai plaisir. Vraiment. Je profite qu'on prenne un peu l'air là. Je voulais vous montrer où on en était dans le potager. Donc là, c'est les semis tomates. Alors, je comprends pas pourquoi celui-là. Je sais pas ce qu'il y a eu. Voilà, il y a d'autres choses. Alors je sais pas ce qu'il y a quoi, mais quand, franchement ça a moi, bien. Moi je sais qu'est-ce qu'il y a. Ça a bien pris. Maman, moi je sais qu'est-ce qu'il y a. Ah si, ça c'est la patate douce. Ça je sais. Mais après c'est là, il y a des poireaux, je crois. Maman, je vais dire. Je sais moi qu'est-ce qu'on a poussé. Voilà, donc là ça a bien pris. Je sais qu'est-ce qu'on a poussé. Ah bon, nous. Là, il y a les autres semis. Ah ça c'est petit pois je crois. Là c'est les salades. Ouais, là-dedans il y avait des salades, hein. On les voit là. Hop. Et au niveau du potager, donc là il y avait tambour, il les a déjà mis. Là c'est les rosiers. Il y a des blancs et des rouges. Et là donc il a fait, donc celui-là il est fait. Il a préparé ces deux là. Et il va continuer, il va refaire un. Je pense qu'il va refaire deux avec deux rangs comme ça. Là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je l'entends taper depuis tout à l'heure. Bah bon, la bâche, nous, elle s'est sauvée. Hein. On est dégoûtés, elle est pétée. On est, voilà. On est un peu dégoûté pour la sœur. Le bruit, c'était ça. Il coupe les bouts de bois. Il fait le petit feu. Tu me filmes en train de faire ça. Et alors? Bon, sinon, et au passage, il a pris... Ah, il a pris de quoi faire sa vidange. Oh non, c'est pas du tout pour faire la vidange, en fait. Il a pris des géraniums. Alors, il m'a dit qu'il avait pris un kiwi, un noisetier et des myrtilles apparemment. Je sais pas où il veut les mettre. On verra bien. Et ça c'est pour les mettre en bas, pas loin du portail. Et un autre endroit, je sais plus où il gère pour ça. Et en fait, à la base il y allait pour ça là, pour prendre des bâtons pour ses accessoires. Jamais avec que ça quand il va à Jardiland ou ailleurs. Ça y est, on a les tulipes qui sortent. Alors là, cet endroit là oui si c'est des tulipes, on savait pas du tout ce qu'il y aurait. Et si on avait préparé les planches de culture pour... Tu voulais mettre quoi là? Là il y a de la prune verte, clairvanche. Non mais là tu voulais mettre quoi là? C'est les là, aromates. C'est les aromatiques. Ouais. En fait on savait pas, mais en fait c'était un parcelle de fleurs. Parterre de fleurs. Et en fait il y a du primevert, du jasmin. Non c'est pas jacinthe. Jacinthe. Jonquille. Vous sentez que je suis une experte. Voilà. Donc on découvre au fur et à mesure ce qu'il y a dans le jardin. D'ailleurs on a aussi là on a des fleurs un peu partout. Continue à pousser, hein. Ouais. Et ça c'est un artichaut. Il y a deux en fait. C'est vrai que il est énorme. Je t'ai fait arroser avec le tuyau. C'est ça que j'ai replanté. Waouh. C'est beau, hein. Faut pas marcher dessus, hein. Dès que tu vois des feuilles comme ça, là. Ça, c'en est la fond d'air. C'est notre jardin, tout ça. Oh non. Waouh. On a même là. Là, il y en a partout. Ils ont l'air secs. Ici, on a des framboisiers. J'ai oublié de clôturer le vlog hier soir, donc je vais faire ça maintenant vite fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.